Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous avez dû le voir dans la miniature, on se retrouve pour l'unboxing de la Beautiful Box du mois de mars. Avant ça, je voulais juste vous montrer ce rouge à lèvres que j'ai mis aujourd'hui. Je l'adore, franchement, c'est une pépite. C'est un rouge à lèvres de chez MAC, comme ça, que j'avais acheté quand j'avais eu une carte cadeau chez Blissim, je crois, de 15 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un rose flash comme ça, Barbie. Il est trop trop beau. Donc, je vais pas vous faire un swatch. Je vous montre sur mes lèvres. Franchement, je l'adore. Et voilà. Et la teinte, je vais vous dire le nom de la teinte. C'est la teinte Pink Pigeon. Pigeon. Pink Pigeon, Pigeon, un truc comme ça. Vous voyez, c'est cette teinte-là. Et franchement, elle est trop trop belle. Donc, voilà ce qu'elle donne sur les lèvres. Et moi, je l'adore. Donc, ouais. Ça, c'est une de mes teintes chouchou. Je n'osais pas trop la porter et finalement, je trouve que le rose comme ça me va plutôt bien, sans me vanter évidemment. Mais voilà, je l'aime beaucoup donc oui, ça je porterai pas mal, j'aime beaucoup. Donc, revenons-en à nos moutons. Donc, on est là pour s'ouvrir la Beautiful Box du mois de mars. Alors, ce mois-ci, le thème c'est bouquet de fleurs et franchement, ça va trop bien avec une box du printemps, n'est-ce pas? Puisque, ben ouais, mars c'est le début du printemps. Comme vous voyez, la box est trop belle, c'est tout jaune fleuri comme ça, c'est trop beau. Et le dos est encore plus beau, je trouve. Ce bleu comme ça rend trop bien avec les fleurs. Je trouve la box trop trop belle. Donc voilà, ce jaune et bleu comme ça fait vraiment printemps. C'est trop trop beau. Donc dites-moi vous ce que vous pensez de cette box. Moi, je la trouve trop trop belle. La boîte est magnifique. C'est exactement le printemps. D'ailleurs, je la tiens, elle va comme ça. D'ailleurs, c'est ouais, c'est exactement le printemps. C'est coloré. C'est tout ce que j'aime. Donc ouais, cette box est trop trop belle. Donc ça commence très bien pour cette box-là. Donc ça fait un moment que je l'ai reçue. J'avais tourner la vidéo, mais comme toutes les autres vidéos d'ailleurs que j'avais avant, elle n'a pas de son, je sais pas ce que j'ai trafiqué. Donc voilà, je vous la retourne aujourd'hui. Donc oui, je sais que c'est un peu tard dans le mois, mais bon, il faut bien des vidéos pour finir le mois. Donc comme d'habitude, à l'intérieur, on a hop, un petit flyer comme ça où il présente les produits. Normalement, à l'intérieur, il y a une valeur réelle de 97 euros. Donc je vous mettrai un total à l'écran, voir si c'est le cas ou pas. Le mois prochain, j'aurai un gel nettoyant comme ça de la marque LM Bio dans ma box du mois prochain. Et normalement, j'ai aussi une palette, puisque je sais pas si vous savez, je vous la mettrai sur l'écran pareil que d'habitude. Il y a la carte de fidélité qui est là, et normalement, au bout du quatrième box, j'ai un cadeau au choix entre un sérum et une palette, il me semble. Et moi, il me semble que j'ai pris la palette sans vous dire de bêtises. Je ne sais plus, je vous remarquerai de toute façon à l'écran tout ça. Et donc, ouais, le mois prochain, en restant abonné, j'aurai ce gel nettoyant de la marque LM Bio offert d'une valeur de 17,90 €. Mais on verra ça le mois prochain. Voilà, donc voilà pour ça. Donc, le papier est à l'image de la box. Alors, Beautiful Box a une place particulière dans mon cœur puisque c'est une des premières box que beauté que j'ai pris quand j'étais avant quand j'étais plus jeune. Donc c'est vrai qu'elle a voilà, une place particulière dans mon cœur. C'est des box que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils s'améliorent de jour en jour. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et je trouve le principe des cadeaux pour les abonnés très très bien. Moi j'aime bien. Donc voilà. Alors, hello, donc c'est de nouveau la Laurie du montage. Hein. Je suis tellement tête de linotte que j'oublie à chaque fois de vous parler de quelque chose dans chaque vidéo. Bon, c'est pas très très grave, je fais une petite aparté. En gros, là, c'est ma carte de parrainage. Donc en gros, voilà, tous les mois, en fonction du nombre de filleuls, je reçois 1 euro offert par nombre de filleuls actives, le premier de chaque mois, des grosses surprises, etc. Donc là, vous voyez, c'est tout marqué. Et après, pour chaque ami parrainé, je gagne jusqu'à 10 euros à vie sur mon abonnement. Donc ça, c'est pas mal. Plus ça permet de, bah, voilà, de mettre du beurre dans les épinards, comme dirait Laura. Et voilà, de pouvoir continuer des box et tout. Et en plus, vous, si vous utilisez mon code de parrainage, vous gagnez 10 euros sur votre première commande et des box gratuites. Donc voilà, c'est pas non plus négligeable. Donc voilà, à vous de voir. Mon lien de parrainage est ici, il sera en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et voilà, c'est juste qu'il y a 10 filleuls. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, bisous bisous. Donc heureux. Donc chez Beautiful Box, les produits sont présentés sur des cartes cartonnettes comme ça.
Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc le premier produit, c'est ceci. Donc c'est un shampoing solide à l'huile de jojoba et d'olive bio, parfum de mimosa et de violette, comme ceci. Donc c'est de la marque Chouette Paris. Oula, Chouette Paris. Donc elle est marquée là-haut. C'est 100% naturel, made in France. Donc voilà, un petit savon comme ça. On va l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, à mon avis, c'est un pain de savon, tout ce qu'il y a de plus basique. Ça sent plutôt bon, donc ça c'est cool, ça je vais l'utiliser, shampoing. Ça je suis très contente. Alors j'ai perdu la carte. Ah non, il est là. Donc voilà, donc un petit savon comme ça. Donc ça, ça coûte 12 euros. C'est pas donné pour un petit savon comme ça. 12 euros. Donc Chouette Paris nous offre 20% de remise sur le e-shop avec le code Beautiful20 qui apparaîtra à l'écran jusqu'au 1er mai 2022. Donc voilà. Donc c'est testé sous contrôle dermatologique et adapté à tous les types de peau. Sa formule douce au parfum floral respecte l'équilibre naturel de votre cuir chevelu. Sa mousse fine et délicate nettoie votre chevelure et nourrit votre fibre capillaire pour une jolie crinière qui retrouve douceur et souplesse à temps pour l'équinoxe de printemps. Il est composé d'un tensioactif doux dérivé de l'huile de coco aux propriétés lavandes douces, d'huile d'olive bio aux vertus hydratantes et réparatrices. Après, ils nous disent comment utiliser, mais voilà, on n'est pas trop concon. Et ça a une note globale de 97,1%. Et voilà, 12 euros les 85 grammes. Donc voilà, un petit shampoing solide. Alors, je ne sais pas si je l'utiliserai ou pas. Et sinon, je le mettrai soit dans le lot concours, soit comme d'habitude sur Vinted. Donc, je vous remettrai mon Vinted à l'écran, comme d'habitude. Et voilà, un petit shampoing, pourquoi pas. Je suis très très contente. Ensuite, le numéro 2, c'est ceci. Donc, il y a des cheveux partout. Donc là, c'est un soin cuir chevelu énergisant. Donc ça se présente comme ceci. Donc voilà, c'est de la marque Jeune et Belle. Je ne connais pas du tout cette marque. Ça coûte 35,90 €. C'est pas donné, hein. Dedans, il y a 50 millilitres. C'est pas du tout donné. Donc, la marque Jeune et Belle nous offre aussi 20% de remise sur le e-shop avec le code Beautiful20. Pareil, il apparaîtra à l'écran qui est valable jusqu'au 30 avril 2022. Donc, grâce à son embout applicateur ultra pratique, donc ici, cette lotion s'applique directement sur vos racines pour stimuler la pousse de vos cheveux et purifier votre cuir chevelu. Sans rinçage, ce soin vivifie votre chevelure en y laissant une odeur boisée et florale. Il est composé d'eau florale d'amamélis aux propriétés tonifiantes, astringentes et purifiantes, un extrait de bois de Panama aux vertus vivifiantes qui stimule la croissance du cheveu. Donc voilà, conseil d'utilisation en sortant de votre douche. Après le shampoing, appliquez le soin directement sur votre cuir chevelu, massez-le délicatement pendant 1 minute du bout des doigts, séchez vos cheveux au sèche-cheveux, laissez-les sécher à l'air libre, puis coiffez, voilà. Il a une notation de 97% et il coûte 35,90 € pour 50 ml. Donc voilà, et c'est pas donné du tout pour un petit soin comme ça. Donc ça, je suis très contente si ça stimule la pousse et tout ça, ça va être utilisé. C'est cool, c'est fabriqué en France et voilà. Ça, je suis très contente. Ça va être utilisé, c'est sûr. Ensuite, le numéro 3. Le numéro 3, c'est ceci. Donc, ça, c'est un déodorant solide comme ceci. Donc, voilà, c'est de la marque Andro Cosmétique. Ça sent, hop, il se présente comme ceci. Ça sent assez bon. Je sais pas quelle odeur ça a. Almarosa, je sais pas trop ce que c'est. Donc, voilà. Ça c'est le cadeau abonné, donc en gros si vous n'êtes pas abonné à la box depuis le mois dernier, vous ne le recevez pas, enfin vous ne l'avez pas dans la box. Donc voilà, moi je l'ai reçu. Donc ce petit produit coûte 9 euros pour, est-ce qu'il y a des grammes, 50 millilitres. Et Andro Cosmétique nous offre également 10% de remise sur le e-shop avec le code AndroXBeautiful. Pareil, il apparaîtra à l'écran comme d'habitude, qui est valable jusqu'au 31 mai 2022. Donc voilà. Alors, sa texture fondante s'applique facilement aux doigts et pénètre rapidement dans la peau pour ne pas tacher vos vêtements. Ne contenant que 4 ingrédients et quelques gouttes d'huile essentielle, il empêche le développement des bactéries responsables des mauvaises odeurs sans bloquer la transpiration. Fraîcheur et effluves fleuri garanti. Il est sans sel d'aluminium, sans alcool, sans conservateur ni dérivé d'huile de palme, avec de la poudre d'amidon de maïs, un talc végétal absorbeur d'humidité, avec de l'huile essentielle de palmarosa aux vertus antibactériennes et antimycosiques. Donc ça c'est plutôt cool. Donc conseil d'utilisation, bah, ça c'est fait. Donc la notation est de
95%, je vais y arriver. Et il coûte 9 euros pour 50 ml. Donc voilà, un petit déodorant. Alors ça, je suis pas trop trop sûre de l'utiliser. Donc pareil, soit vous le retrouverez sur Vinted ou soit en concours parce que j'aime pas trop les trucs, on doit mettre les mains dedans là et s'y mettre sous les aisselles. C'est pas très. Ça me dégoûte un petit peu. Donc voilà. Écoutez, à voir ce que j'en fais. Ensuite, le quatrième produit, donc c'est ceci de la marque Cultivar. Je connais cette marque, je crois que cette marque est spécialisée, enfin elle fait ses produits avec des betteraves, des épinards, enfin des légumes. Donc voilà, là on a une bébé crème fleur bleue de chicorée. Bah voilà, vous voyez, en plus il y a de la chicorée à l'intérieur. C'est de la marque Cultive. Ce produit coûte 25 euros. Pas donné quand même pour une bébé crème. Donc Cultive nous offre 20% de remise sur l'e-shop avec le code Beautiful Cream. Donc pareil à l'écran. Valable jusqu'au 31 mai 2022. Donc sa texture légère fond sur la peau pour y laisser un fini velouté et non gras. Formulée sans parfum et adaptée même aux peaux sensibles. Elle unifie votre teint, diminue l'apparence des imperfections et hydrate votre peau tout au long de la journée. Savez-vous que la chicorée faisait de belles fleurs bleues? Elle est composée d'extraits de betterave et de chicorée qui restaure et équilibre votre film hydrolipidique, d'un extrait d'épinard aux vertus antioxydantes pour un teint éclatant. Donc voilà, ça a une note de 95,5% et il coûte 25 euros pour 30 ml. Et je vois que le code que je vous ai donné tout à l'heure, Beautiful Cream, valable sur Cultive, il est valable une fois par personne. Donc voilà, vous pourrez l'utiliser qu'une seule fois jusqu'au 31 mai 2022. Donc voilà. Donc, la petite crème, ça je suis très contente, j'adore les bébés crèmes. Donc surtout quand je vais travailler ou quoi, c'est assez léger. Donc ça j'aime beaucoup. Je suis très contente. Ensuite, de la marque Aini. Donc je connais cette marque, on a reçu pas mal de produits dans les Beautiful Box de cette marque. Donc là on a une crème pour les mains Coquelicot Mexicain. Alors est-ce qu'il y a... oui. Ça sent assez bon, ça sent très très bon, je vous montre, mais c'est toujours pareil. Et voilà, la crème, elle est là, et elle a une texture assez légère quand même. Ah ouais, ça sent trop trop bon ça. Elle s'étale bien. Elle pénètre plutôt facilement, elle colle pas. C'est pas mal. Donc écoutez, une petite crème pour les mains, celle-ci coûte 15 euros. On a Aini nous offre 20% de remise sur son e-shop avec le code BEAUTYMAIN22 valable jusqu'au 31 mai 2022. Donc habillez vos mains d'un voile protecteur pour dire bye bye aux sensations d'inconfort dues au lavage à répétition. Votre crème au coquelicot mexicain pénètre dans la peau en n'y laissant aucun film gras. Ça c'est vrai, elle est très très soyeuse cette crème, elle est très douce. Vos mains sont hydratées et nourries et vos ongles lisses et brillants. Elle est composée d'un extrait de coquelicot mexicain. En plus, ça sent trop bon. Aux vertus antioxydantes, du beurre de karité aux propriétés nourrissantes et hydratantes. Donc ça a une note de 96,2 sur 100, c'est 15 euros pour 40 ml. Donc là, c'est quand même pas donné pour une petite crème de ce format-là ouais, pour les mains. Et en plus je vois qu'on a en plus des graines de Cosmo à germer. Donc réalisez votre propre bouclette de fleurs même si vous n'avez pas la main verte, ça c'est trop cool. Donc en fait c'est des petites graines à planter, c'est trop cool. Et derrière vous avez tous les conseils de planter, de plantation, etc. Donc ça va être planté c'est sûr. Et j'apprécie beaucoup l'idée, c'est très 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 bien moi je trouve. Donc voilà, des petites graines à planter, je vous montrerai peut-être ça sur Instagram, mais voilà des petites graines, je suis très contente, c'est trop mignon et le packaging est trop beau. Donc ouais, ça je vais planter c'est sûr et je suis très contente d'avoir ça. Donc voilà, se mêler et d'ici quelques semaines un beau bouquet, donc c'est cool, un beau bouquet ornera notre salon, donc ça j'ai hâte. Donc voilà, des petites graines, je suis très 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 contente. Et voilà, écoutez, pour, voilà. Donc voilà pour cette box. Donc comme d'habitude, on a toujours des petites frisures. Là, elles sont roses. Donc c'est très girly. J'aime beaucoup. Et donc voilà pour cette box. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est surtout le produit pour les cheveux là que j'ai, celui-ci, que j'ai hâte de tester parce que il me fait de l'œil. Donc voilà, sinon le reste, oui, je suis assez contente. Le produit, bon, il y a quelques produits. Le produit solide, généralement, je suis pas fan. Mais là, un shampoing, pourquoi pas. Écoutez, voilà, je suis plutôt contente de cette box. Après, évidemment, chacun ses goûts, hein. Moi, je suis plutôt contente. Et alors, le produit que je trouve le mieux, c'est ça. Enfin, après, les autres sont bien, mais c'est vrai que ça change. Donc, j'aime beaucoup. Et ça va être planté, c'est sûr. Donc voilà.
Écoutez, vous dites-moi ce que vous avez pensé de cette box dans les commentaires. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis tout à l'envers, c'est dingue. J'avais reçu en plus de celle-ci trois autres box et en fait je croyais au début que c'était une erreur de commande et en fait pas du tout puisque ma copine Beauty Gold a reçu exactement les mêmes. Et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a reçu aussi 4 box à la place de celle du mois, enfin en plus de celle du mois. Donc voilà, écoutez, tant mieux. Vous retrouverez certains produits de ces box-là sur Vinted. Je vous refais pas un unboxing de toutes les box puisque Beauty Gold, bah, d'ailleurs ma belle, si tu passes par là, je te fais de gros bisous, a fait déjà l'unboxing. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette box. Voilà, je vous mettrai comme je vous l'ai dit au début le total ici, il faut que j'y pense parce que dans la vidéo Glossybox j'avais oublié. Mais voilà, je vous mettrai le total ici et voilà, moi je suis plutôt contente de cette box. Pas mal. Pas mal, pas mal. Voilà, donc à voir la prochaine box. J'attends avec impatience les box d'avril, puisque c'est début du printemps et tout, donc j'ai vraiment hâte. Donc voilà, écoutez, dites-moi tout ça dans les commentaires, bon, vous savez que je réponds à tout. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner juste ici pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker pour, bah, ça m'encourage tout simplement. Et moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!